La question de l'inaccessibilité des ouvrages juridiques constitue un problème essentiel pour les jeunes États fragilisés par les conflits sociopolitiques. Ces difficultés sont pour la plupart liées à l'absence d'édition et de publication d'ouvrages. Un vide est en train d'être comblé avec deux ouvrages. Les grands arrêts de la jurisprudence constitutionnelle ivoirienne et les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Je souhaite que, n'est-ce pas, les ouvrages que nous mettons à la disposition de tout le monde reçoivent une lecture, n'est-ce pas, bien entendu, critique de la part des destinataires afin de nous permettre, n'est-ce pas, d'améliorer ces ouvrages-là pour l'avenir, d'améliorer, n'est-ce pas, les éditions à venir. Nous sommes beaucoup appuyés sur la jurisprudence administrative française pour étudier le droit administratif en Côte d'Ivoire. Désormais, nous pourrons citer aussi des arrêts de la Chambre administrative de la Cour suprême de la Côte d'Ivoire. Ça sera aussi pareil pour comprendre un peu plus facilement les décisions du Conseil constitutionnel ivoirien. La publication de ces ouvrages a été rendue possible grâce à la coopération allemande GIZ. Ces ouvrages seront remis aux magistrats et aux membres de la société civile. Ils seront très utiles pour comprendre le fonctionnement de la justice constitutionnelle.